L'Université africaine de développement coopératif est heureuse de s'associer à la communauté internationale pour célébrer ce 1er juillet 2023 la Journée internationale des coopératives. La célébration de cette année est la 101e depuis l'initiative prise en 1923 par les coopérateurs du monde entier et la 29e depuis la résolution des Nations Unies de février 1995 reconnaissant la Journée internationale des coopératives. Cette célébration annuelle vise à faire connaître les coopératives et à promouvoir les idées du mouvement coopératif en matière de solidarité internationale, d'efficacité économique, d'égalité et de paix dans le monde. Elle contribue également à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour l'avancement du mouvement coopératif dans le monde. Le thème de cette année, les coopératives au service du développement durable, souligne l'importante contribution des coopératives à l'économie mondiale et à leur rôle dans la construction d'un avenir plus durable. Ce thème interpelle plus particulièrement les économies africaines qui, malgré les chocs multiples qu'elles subissent, doivent trouver les voies idoines pour l'accomplissement de leurs engagements internationaux, en particulier l'agenda 2030 relatif aux ODD. En effet, les coopératives sont omniprésentes aux quatre coins du globe, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays émergents ou en développement. Ceci n'est guère étonnant, puisque les coopératives ont été identifiées en tant qu'organisations ayant un potentiel énorme, capable de favoriser le développement socio-économique et de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la réduction de l'exclusion, en assurant l'intégration économique des populations les plus vulnérables. Pour l'UADC, cette célébration intervient également à un moment opportun, juste après la décision du Conseil des ministres du Bénin de la formalisation administrative de l'UADC comme institution publique multinationale et de l'accompagnement du gouvernement pour sa redynamisation. Cette décision historique est pour nous une invite à de meilleures performantes, à de meilleures performances dans nos formations afin de fournir aux pays membres de la Conférence panafricaine coopérative les ressources humaines de qualité indispensables pour la promotion du développement durable. C'est pourquoi, dans la dynamique de cette célébration, l'UADC, en tant qu'institution incontournable pour le développement du mouvement coopératif en Afrique francophone, organise diverses activités, notamment ce jour 1er juillet 2023, activités de reboisement du campus de l'UADC par la mise en terre d'une centaine de plants. Ensuite, le 18 juillet 2023, nous aurons des conférences débat sur le thème général Entrepreneuriat coopératif, enjeux et perspectives pour le développement durable des économies africaines. Cette activité à venir sera bimodale, c'est-à-dire en présentiel et en visioconférence. Elle vise à contribuer à la promotion des coopératives au Bénin
et dans les pays de la CPC. Ce thème central sera décliné en trois thèmes spécifiques qui seront développés en trois panels. En premier lieu, économie sociale et solidaire et objectifs du développement durable. En second lieu, rôle des coopératives et mutuelles de santé dans la protection sociale. Et enfin, troisième panel, contribution des universités coopératives à la formation, à une formation de qualité. J'invite donc tous les acteurs du secteur de l'économie sociale et solidaire en général et du secteur coopératif en particulier à participer massivement à ces activités que je déclare ouvertes pour la Journée internationale des coopératives édition 2023 à l'UADC